Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette réaction au trailer de Prehistoric Planet 2. Vous avez été nombreux à me le demander. Prehistoric Planet, pour rappel de ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas Prehistoric Planet, c'est un docu-fiction qui m'avait plu. Et ça, déjà, rien que dire ça, ça veut tout dire. Quand, si vous me connaissez, vous savez que dire que moi, un docu-fiction m'a plu, c'est quand même quelque chose. Généralement, les docu-fictions, comme on ne sait pas où s'arrête le documentaire et où commence la fiction, je suis un petit peu perplexe, voilà. Mais celui-là, vraiment, il était d'excellente facture, d'excellente qualité. Les effets spéciaux, mouah, magnifique. Et surtout, bon, l'histoire qui était racontée n'était pas scientifiquement dégoûtante. Il y avait quand même deux, trois petites remarques que j'avais faites, notamment sur le manque de diversité. À savoir qu'on se concentre sur la toute fin du Crétacé, donc très très peu d'espèces, et puis évidemment toujours les mêmes, des tyrannosaures et des tricératops. et puis il y avait assez peu de diversité aussi en termes de comportement. On voyait que des comportements hyper complexes, produits par des animaux donc supposément hyper intelligents. Donc ça, j'aurais bien voulu voir une diversité de comportements, une diversité des situations en fait, parce que c'était pas seulement un problème dans la diversité des comportements des animaux qu'un problème dans la diversité des situations. C'est que c'était toujours une parade nuptiale. Dès qu'on nous montrait un animal, c'était pour nous montrer sa parade nuptiale. Évidemment, il y avait des exceptions, il n'y avait pas que ça hein, dans le documentaire, mais à chaque fois, c'était centré autour d'une parade nuptiale et le reste autour, quoi. Donc ça manquait un petit peu de diversité, et donc j'avais fini Prehistoric Planet première saison sur « c'était un très bon documentaire, ils sont restés dans leur zone de confort, hein, à savoir les dinosaures les plus connus, hein, la fin du Crétacé, ce sont les dinosaures les plus connus, et ils sont restés dans leur zone de confort aussi en matière de comportement démontré, c'est-à-dire que on reste dans des comportements qui sont de toute façon tellement reconstitué, tellement fictif en fait, que de toute façon on va pas accueillir, il n'y a pas moyen finalement d'être critiquable sur un comportement où de toute façon on n'a aucune preuve qu'il ait existé ou pas ce comportement. Donc on reste évidemment, ils restaient dans cette saison 1 dans leur zone de confort, mais la saison 1 a eu beaucoup de succès et donc j'espérais, voilà mes attentes hein, quand je veux voir ce trailer de la saison 2, mes attentes c'est j'espère en fait qu'ils vont capitaliser sur ce succès pour maintenant sortir de cette zone de confort et essayer de nous en montrer un petit peu plus. J'ai réussi à pas trop me spoiler ma face. Ceci dit, Twitter n'a pas été avare de partage de photos, enfin de snapshots du trailer. Et je veux dire, rien que cette capture d'écran ne me rassure pas sur le fait qu'ils vont sortir du Crétacé. Puisque ce qu'on voit là, c'est éminemment un tyrannosauridé. Les yeux binoculaires et les deux doigts à la patte m'indiquent clairement qu'on est face à un tyrannosauridé, donc qu'on est toujours au Crétacé. J'ai pas l'impression qu'ils vont sortir de cette zone de confort, mais bon, on verra par rapport à ce trailer, mais je me suis fait un petit peu spoiler là, déjà. Donc, on va diviser cette vidéo en deux parties, on va d'abord regarder une fois le trailer, enfin la bande-annonce, réagir à chaud, commenter par-dessus s'il y a moyen de commenter, mais surtout après, on va refaire vraiment séquence après séquence, décortiquer le trailer pour voir un petit peu ce que cette saison 2 nous réserve. C'est parti. C'est toujours David Attenborough qui commente. David Attenborough qui vient de la BBC. Hein. Apple TV+, qui propose donc... Il y a 66 millions d'années, la planète était gouvernée par les dinosaures. C'est dommage de montrer ça en montrant un ptérosaure. Alors déjà, on peut dire un truc, c'est toujours aussi beau. Hein. La grande qualité de Prehistoric Planet, c'était la beauté des graphismes qui couchaient littéralement Jurassic World qui était sorti la même année. Je veux dire, Jurassic World s'est fait mettre la pâtée par la qualité graphique de Prehistoric Planet, et j'ai l'impression qu'ils vont rester dans cette veine-là. Évidemment, c'est qu'un trailer, donc même si les effets spéciaux sont pas parfaits à ce niveau-là, on peut toujours s'attendre à possiblement une amélioration. Waouh. Il y a de l'image épique, là, il y a du épique. En même temps, c'est un trailer, c'est fait pour nous donner envie. Et donc oui, la faune, c'est toujours du Crétacé. On est toujours sur du bon vieux Crétacé. Ouais,
5 nouveaux mondes. Bon, à mon avis, on va commenter sur ces 5 nouveaux mondes parce qu'ils sont pas si nouveaux que ça, justement. Ils nous disent on va explorer 5 nouveaux mondes. Préhistorique planète 2 avec David Attenborough. Écrit en dessous. Alors, qu'est-ce qui vaut ce trailer? Est-ce que la hype est réelle? Autant le premier trailer, le trailer de la première saison m'avait vraiment hypé parce que waouh, les graphismes, ils m'avaient scotché, autant maintenant les graphismes, je sais déjà qu'ils sont bons. Donc je suis plus aussi émerveillé par la qualité graphique du truc que je l'étais pour la saison 1. Et comme je le disais, j'ai des attentes, alors que pour la saison 1, j'avais pas trop d'attentes puisque je ne savais pas à quoi m'attendre. Et au pire, je m'attendais à un docu-fiction, c'est-à-dire quelque chose de pas bon. Moi, j'aime pas du tout les docu-fictions. Donc là, est-ce que cette saison 2 de Préhistorique Planète remplit mes attentes? Pas vraiment, on est toujours au Crétacé, définitivement. La faune qui nous est présentée est éminemment du Crétacé, avec du Mosasaur et du Tyrannosaur, et on a vu Quetzalcoatlus ou Atzégoptérix à un moment. Bref, on est toujours sur du Crétacé final, donc on sort pas vraiment de cet univers de la fin du Crétacé. Donc on reste dans la zone de confort. Et surtout, on nous dit on va nous présenter 5 nouveaux mondes, hein, j'ai insisté dessus quand ça a été dit, et j'ai pas l'impression que ces nouveaux mondes sont aussi différents que ça. Les biomes, là, les 5 nouveaux mondes, c'est les 5 épisodes. La saison 1 nous emmenait dans le désert, dans la forêt, dans la mer, dans la toundra, enfin, au pôle, quoi. Et le cinquième monde, je sais plus ce que c'était, mais bref, les îles, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Mais là, je vois exactement la même chose. On va nous ramener dans la mer, on va nous ramener dans le désert, on va nous re-ramener on a vu de la neige, on va nous re-ramener dans les îles. Enfin bref, j'ai pas l'impression qu'ils vont vraiment sortir de leur zone de confort avec cette saison 2. Et j'ai un peu l'impression qu'on va végéter. Là, s'il fallait que je donne une impression purement basée sur le trailer, et évidemment c'est une réaction à un trailer, donc je ne peux pas faire autrement, je pense que je vais un peu rester sur ma faim sur cette saison 2. Mais ceci étant dit, on n'a pas trop vu de comportement sexuel, on n'a pas trop vu de parade nuptiale, donc peut-être qu'ils vont innover de ce point de vue là et nous montrer enfin de nouveaux comportements. Alors c'est maintenant, on analyse séquence par séquence. En commençant, donc, on est dans la mer. On nous montre ce qui semble être un mosasaur. Bah, vous voyez, on nous montre un mosasaur en action de chasse. Et ça, déjà, c'est cool. C'est carrément cool. On nous montre un mosasaur en train de poutrer un plésiosaure, magnifique plésiosaure, qui d'ailleurs a une petite queue en forme de diamant, comme les représentations modernes des ichthyosaures ont généralement. On n'a jamais retrouvé du moins pas à ma connaissance, on n'a pas retrouvé de tissu mou de plésiosaure, donc on peut bien faire ce qu'on veut au niveau de la queue. Faut savoir que les plésiosaures, ils ont un mode de nage qui est similaire à celui des tortues, hein, si on devait le comparer à une espèce moderne. Ce qui est la seule chose qu'on peut faire, c'est comparable aux tortues, et les tortues n'ont pas spécialement besoin de petites queues en diamant comme ça pour nager. Donc, que vous le fassiez ou pas, ma foi, c'est très moderne, on va dire, comme représentation, là, cette petite queue en diamant. Mais pour être tout à fait honnête, je suis pas sûr de où ça vient. Je sais pas quel paléo-artiste a été le premier, c'est probablement Mark Wheaton qui a été le premier à inaugurer ça. Je sais que Darren Nash a encore été en conseiller scientifique, le paléontologue Darren Nash a encore été conseiller scientifique, et je sais qu'il est friand de ce genre de représentation. Si vous savez d'où ça vient, je suis preneur. Évidemment, j'ai essayé de pas me faire spoiler, alors je suis pas forcément super bien renseigné, donc c'est vraiment de l'analyse à chaud, hein, que je vous propose. Et donc là, on nous montre une technique de chasse qui est en fait une technique de chasse de requin chez ce mosasaur, c'est-à-dire la technique de chasse qui consiste à attaquer un animal par le dessous, comme ça. Ça, c'est les requins. Ce sont les requins blancs qui font ça, si je me rappelle bien. Donc là, on a une technique de chasse de ce mosasaur qui est similaire à celle d'un requin en train de chasser une otarie. On aurait pu avoir une technique de chasse un peu plus élaborée, comme celle d'un dauphin. On aurait pu avoir une technique de chasse un peu plus inspirée des crocodiles marins. Là, ils se sont inspirés des requins. Alors, ouais, la qualité graphique. La qualité graphique. Regardez la finesse des détails sur la face de cet hadrosaure, qui a d'ailleurs un bec un peu chelou.
C'est intéressant d'avoir mis des espèces de chevrons comme ça. Si vous regardez, j'enlève les sous-titres. Si vous regardez, là, il a des espèces de chevrons au bout du bec. Ça, je sais pas d'où ça sort, parce que à ma connaissance, le seul hadrosaure pour lequel la kératine du bec est préservée, c'est un édmontosaure, et c'est bien carré, quoi. C'est pas un chevron comme ça. Et Darren Nash en a lui-même parlé sur son blog Tétrapode Zoologie. On notera d'ailleurs que c'est, je crois que j'ai dit hadrosaure, mais en fait ça ressemble plus à un iguanodontidé. La forme du bec notamment est pas, elle est un peu plus carrée. Donc c'est peut-être plus un iguanodontidé, mais honnêtement je suis pas sûr. Peut-être qu'on va avoir le droit à Rhabdodon, notre Rhabdodon européen. Ce serait super cool. Mais ouais, bon bah comme j'ai dit, je ne sais pas quelle espèce c'est, donc on verra bien, on se laissera surprendre. Bon, ah, là clairement c'est un grand ptérosaure, et du coup on avait Quetzalcoatlus ici, non pardon, on avait Hatzegopteryx dans le précédent préhistorique planète je crois, donc celui-là ça doit être Quetzalcoatlus. Et donc Quetzalcoatlus, encore une fois, représenté avec de la fourrure, comme c'est généralement le cas chez les ptérosaures qu'on a retrouvés avec du, avec avec de la, avec du, des tissus mous préservés. Donc jusqu'à preuve du contraire, ils avaient une sorte de petite fourrure qui sont en fait des, alors on appelle ça des pycnofibres, mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Pour l'instant, on suppose que c'est homologue à des plumes. Donc ce serait la même matière que les plumes. Avec un ancêtre commun, enfin c'est une structure qui aurait un ancêtre en commun avec les plumes des oiseaux modernes. Ah, quelque chose que j'avais fait un petit reproche dans la saison précédente, c'est que j'aurais voulu voir un peu plus de vie en périphérie en fait des animaux qu'on nous montrait, et là on nous montre qu'il y a un petit piaf, je crois, non? Ou c'est juste l'aile? Ah non, c'est juste son aile. Ah, oh, zut. Dommage. Parce que là, on aurait vu un petit piaf perché sur son dos, parce qu'un animal grand comme ça, vous imaginez, là, ça c'est la taille d'un petit avion quand même, hein, Hatzegopteryx et Quetzalcoatlus, ce sont des animaux qui sont de la taille de petits avions, des petits avions de plaisance. Il y a moyen qu'il y ait de la vie sur leur dos, il y a moyen qu'il y ait des animaux, enfin au moins qu'on nous montre des puces, des poux, on sait qu'il y avait des puces et des poux à l'époque des dinosaures, et qu'ils étaient gigantesques d'ailleurs, et ces puces et ces poux devaient attirer une faune. Des oiseaux et d'autres petits ptérosaures qui devaient se percher. Bon, à l'époque, il n'y a plus de petits ptérosaures, mais au moins des oiseaux qui auraient dû se percher sur le dos de ces animaux pour leur piquer, comme les piquebeux actuels, pour leur piquer leurs puces et leurs poux. À chaque fois, ça me manquait un peu de vie, en fait, autour de ces animaux qui devaient être, par eux-mêmes, en fait, par leur gigantisme, devaient eux-mêmes être des écosystèmes. Chose que Jurassic World, par contre, avait fait. Dans Jurassic World, on voyait cet énorme Giganotosaurus qui avait la gueule ouverte. Enfin, c'est même pas dans Jurassic World, c'était dans la bande-annonce qu'ils avaient diffusée au début de Fast and Furious, je sais plus combien. Donc ça n'a pas fini dans le film, ça n'a pas fini dans le montage final du film. Mais en tout cas, c'était dans cette bande-annonce, il y avait un genre de toute une séquence qui se passait donc à l'époque des dinosaures, supposément au Crétacé, et ce Giganotosaurus, par contre, il se faisait piquer les dents par un dinosaure plus petit. Et ça, c'était inspiré des crocodiles, de ce qu'on voit chez les crocodiles actuels, là, qui se font piquer les dents par les oiseaux. Et donc, ça montrait cet état de ces animaux sont tellement grands, en fait, qu'ils sont des écosystèmes à part entière. Donc là, je pensais avoir vu ça sur notre ptérosaure, là, mais non. En fait, c'était juste le bout de son aile. Dommage. Les couleurs sont sobres, hein, encore une fois. D'ailleurs, on notera au niveau du plumage des couleurs très très sobres qui restent dans les tons marron. On n'ose pas trop la coloration sur un animal qui pourtant a une crête sur la tête, un très très long bec. On aurait pu oser le toucan, hein, ils avaient osé la coloration très 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 prononcée chez Oviraptor, je crois, dans la saison précédente. Mais là, ils ont pas osé. Et pourtant, un animal gigantesque comme ça craint pas trop les prédateurs, donc ça peut se permettre d'être coloré. Mais bref, on continue. Donc, un tyrannosauridé, vu sa taille, c'est pas Tyrannosaurus. Ceci étant dit, ça peut être un juvénile de Tyrannosaurus. Et on a ici donc les petites plumes, hein, le petit duvet plumeux qui ne, bon bah qui si l'animal, si la peau de l'animal devait se fossiliser, en fait, on les verrait probablement pas, elles se désagrégeraient avant de fossiliser, et c'est ce qu'on a.
hein, pour les tyrannosauridés, on a des fragments de peau à écailles sur lesquels on ne voit pas de plumes. Alors là, du coup, ils ont repris ça, hein, on a des fragments de peau de tyrannosauridés qui viennent d'un peu partout sur leur corps, aucun n'a de traces de plumes. Donc là, ils sont allés pour un fin duvet, on va dire, et encore très limité, un fin duvet probablement à fonction sensorielle, comme on voit chez les éléphants, par exemple. Donc, qui ne fossiliserait pas si jamais il devait se fossiliser. Donc, on reste dans le domaine du possible à ce niveau-là. On revoit ces fameuses rangées là d'écailles, fameuses rangées d'écailles qui avaient déjà attiré mon regard dans la précédente itération de Préhistorique Planète, puisque on n'en a aucun signe en fait chez Tyrannosaurus. On n'a aucun signe que les écailles étaient arrangées en ligne verticale comme ça sur le museau chez Tyrannosaurus. Quand on regarde les canaux sensoriels et comment ils sont organisés, c'est un peu plus random que ça chez Tyrannosaurus. Et à la limite, on devait avoir une rangée d'écailles qui devait suivre la lèvre supérieure, puisque c'est à peu près le seul endroit où on voit que les écailles sont relativement... Enfin, où on voit que les canaux sensoriels sont relativement bien organisés. La position des bras, qui est correcte, contrairement à toute la saga jurassique et à tous les films qui s'en inspirent, comme 65, par exemple, enfin 65. 65, si vous voulez mon avis, d'ailleurs, tant qu'on est dans les réactions, 65, c'est une catastrophe niveau dinosaure, mais contrairement à Jurassic World, ce n'est pas un film qui avait la prétention d'avoir un avis paléontologique, hein. C'est pour ça que je ferai pas de critique de 65 et que je continuerai à faire des critiques de la saga Jurassic, y compris Jurassic World. C'est parce que, oui, ils essayent tous les deux de faire du divertissement, mais il y en a un des deux, hein, qui a un paléontologue comme conseiller scientifique et qui s'en sert pour sa promo. L'autre pas. Donc 65, il fait ce qu'il veut. Il s'en fout. Il a jamais prétendu être autre chose que du divertissement. C'est pas terrible à niveau divertissement, je me suis plutôt ennuyé, mais en tout cas, je vais pas critiquer la qualité des dinosaures de 65, parce que de toute façon, c'est pas le but. Alors que Jurassic World, eux, ils prétendent avoir des dinosaures corrects. Bref, je reviens à Préhistoric Planet. Donc toujours, ouais, des couleurs assez peu flashy, y compris sur les structures sexuelles, hein, vous voyez qu'au-dessus des yeux et sur le pif, on reste sur des couleurs pas très très flashy. Donc peut-être que la présence de ce duvet, peut-être que l'absence de ces couleurs indique effectivement qu'on est sur un tyrannosaure juvénile. On remarque ici, vous voyez, les muscles masticateurs là, gigantesques. Ici, hein, les fameuses membranes, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Qu'est-ce que c'est que ces membranes? Ce sont les muscles masticateurs, c'est les muscles massétaires. Et donc là, on est sur une condition qui est largement inspirée des varans de Komodo. C'est exactement ce que vous verriez sur un varan de Komodo. Et on est sur des... au niveau, justement, là, puisqu'on parlait des lèvres, on est sur des lèvres, oui, mais les lèvres qui laissent quand même les dents apparentes quand la gueule s'ouvre. Donc on est sur de la demi-lèvre, en fait. On est sur de la demi-prise de décision. Quand la gueule est fermée, du coup, on voit plus les dents, comme sur un varan de Komodo. Par contre, contrairement à un varan de Komodo, quand la gueule est ouverte, on voit les dents. Donc là, on est sur une non-prise de décision au niveau de des lèvres. On est sur un intermédiaire, quoi, voilà. Finalement, ça rend pas mal, quoi. Ça fait que quand l'animal grogne, Du coup, oui, l'animal grogne. On va le voir à la fin, hein, il pousse un rugissement. Donc quand l'animal pousse un rugissement, du coup, on voit ses dents, et ça le rend impressionnant, ça le rend monstrueux. Et les gens sont habitués à voir T-Rex comme un monstre. Donc c'est plus vendeur. Ça, c'est une image reprise du premier. Hein. 66. Donc, regardez, là, voilà, la photographie, magnifique, regardez-moi cette image. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Là, c'est un poster, là, vous faites un arrêt sur image, c'est un poster. Donc ça, c'est encore un autre type de ptérosaure, même si j'ai pas réussi à voir lequel. Mais il a un truc sur la tête qui est différent de... Ah, voilà. Donc le ptérosaure, il a un truc sur la tête qui indique que c'est pas, que c'est probablement pas le Quetzalcoatlus ou le Hadzégoptérix qu'on a vu plus tôt. Je pense que celui qu'on a vu plus tôt, c'était Quetzalcoatlus, parce qu'il a la petite crête là sur le nez. Mais du coup, celui-là, il avait une plus grande crête, donc ça devait être autre chose. Et puis là, Stygimoloch, pachycéphalosauridé de son état, avec des grandes pointes à l'arrière du crâne, contrairement à Pachycéphalosaurus. Donc je sais pas comment ils vont l'appeler dans le documentaire, on verra bien, puisqu'il y a Jack Horner qui a proposé que Stygimoloch et Pachycéphalosaurus étaient tous
de la même espèce, mais seulement représenté différents stades de croissance, avec Stygimoloch le plus petit et Pachycéphalosaurus le plus grand. Mais en tout cas, on reconnaît la pointe, les pointes à l'arrière du crâne qui ne sont pas présentes chez Pachycéphalosaurus. Donc, ouais, magnifique. Regardez, là, encore une fois, hein, même sur le corps, la texture des écailles, c'est sublime. Et donc là, on a en plus une réflexion sur le camouflage de l'animal, puisque vous voyez, là, on a un camouflage qui est en ligne verticale, enfin, des taches, mais plus ou moins orientées verticalement, une couleur beige, dans un environnement de savane-ish, voilà, ça ressemble à de la savane. Un petit peu tôt pour avoir de l'herbe, les herbacées existent, mais les environnements de savane ne sont pas censés encore exister au Crétacé, donc on est peut-être un petit peu sur de l'anticipation, là, c'est un petit peu tôt pour nous mettre une grande plaine herbeuse, ou alors c'est pas de l'herbe. Mais non, en tout cas, ça se voit pas là. C'est pas, là, ça a quand même l'air d'être plutôt de l'herbe. Hein. On a des petits buissons. Enfin, ça ressemble beaucoup quand même à une savane. Hein. Là, c'est pareil. Hein. On a de l'herbe au premier plan et tout. Bon, bah encore les environnements. Vous voyez, quand il disait là, il y a 5 nouveaux environnements. Oui et non, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu le désert, on a vu l'eau, on a vu le... Là, on voit la neige. Donc, on n'est pas vraiment sur de l'innovation en termes d'environnement. On est toujours au Crétacé, on essaie quand même de nous montrer des nouveaux trucs. Hein. Bon, on avait déjà vu le Mosasaur et le Plésiosaur dans la saison précédente, même si on n'y avait pas passé beaucoup de temps. Les Tyrannosauridés, c'était du déjà vu. La dernière fois, on avait eu Hatzegopteryx, cette fois, on va avoir Quetzalcoatlus. Là, on nous montre encore, je sais pas ce que c'est ça d'ailleurs, c'est quoi ? Ça a l'air d'être un Tyrannosauridé encore, hein. Mais il a la crête nasale, donc ouais, non, c'est encore un tyrannosauridé. Là, on va avoir les titanosaures, une fois de plus. D'ailleurs, on voit là les effets spéciaux, là, ils ont... La finition est moindre, hein, là. Là, ils ont... Oula, oui, non, c'était pas beau, là. Enfin, c'était moyen beau, là, quand même. Les effets spéciaux sont moins bien finis à ce niveau-là. Bon, faudra voir dans la version finale. Alors un Triceratops, poil exagéré, hein. je vais pas... Voilà, le Triceratops, là, il est quand même un poil exagéré au niveau de la longueur des cornes. Donc un grand Triceratops adulte, déjà, il doit pas avoir les cornes qui pointent vers le haut, il doit avoir les cornes qui pointent vers le bas. Ça, c'est encore une fois, c'est Jack Horner qui avait montré ça en regardant les séries ontogéniques, donc le développement des Ceratopsiens, et notamment de Triceratops, c'est qu'en fait, les cornes tendent à pointer vers le bas chez les adultes Triceratops. Donc les cornes qui pointent vers le haut comme ça, c'est plutôt chez les jeunes. Et puis c'est pareil, là, les pointes là sur la collerette ont tendance à se résorber chez les grands adultes Triceratops. Donc là, on essaie de nous montrer un mix, en fait, de beaucoup de choses. Et de toute façon, je crois qu'il n'y a aucun crâne de Triceratops qui a des cornes aussi grandes. Alors, à moins qu'ils nous disent que c'est pas Triceratops, au final... Mais je vois pas qui c'est, si c'est pas Triceratops. Et ça y ressemble quand même vachement beaucoup, si c'est pas Triceratops. Ah, et donc, un comportement de duel de Ceratopsien. Ça, j'ai aucun problème qu'on me propose un comportement de duel de Ceratopsien, parce qu'on en a des vraies preuves dans le registre fossile, puisqu'on a des crânes de Triceratops, dans lesquels, en fait, la collerette, quand les deux Triceratops se battaient, et donc emboîter leurs cornes de cette façon, la collerette, en fait, est rayée par la corne de l'autre Triceratops. Donc ça, on en a des traces fossiles. On a des traces fossiles de ces combats. Bon, là, ils se foncent dessus. Ça, c'est pas réaliste du tout. Le fonçage l'un sur l'autre, je sais pas si vous avez déjà vu un crâne de Triceratops, mais un crâne de Triceratops, c'est plein de cavités. Regardez, là, ça se voit très bien, là. Vous voyez que c'est complètement creux, là. Donc là, s'il se fonce dessus avec un autre Triceratops, vous voyez comme le museau est vachement long, si ce bout-là touche la tête d'un autre Triceratops à pleine vitesse, tout ça, ça explose. Hein. Là-dessous, c'est pareil, la corne, en dessous de cette corne-là, il y a rien, en fait, il n'y a pas de support. Donc il faut faire... Là, je pense que se foncer dessus comme ils le font, c'est pas trop réaliste. Mais par contre, ce qu'il devait définitivement faire, c'est se défier et s'emboîter, un peu comme les coudous, en fait. Les coudous, ils se foncent pas dessus, mais ils s'emboîtent, et après, voilà, ou bien les cerfs, par exemple. Non, là, il y a point négatif. Point négatif. Mais on a quand même des traces de combat chez les Ceratopsiens.
Donc là, ouais, on nous vend des nouveaux dinosaures. Oui, ce sera probablement pas les mêmes espèces, mais jusqu'à présent, ça reste quand même plus ou moins les mêmes groupes, on va dire, de dinosaures. Bon, alors par contre, là, encore une fois, putain de poster, quoi. Le putain de poster, là, les images, magnifiques, je veux dire. Ils ont pas forcément besoin de se faire chier pour faire un documentaire sur les dinosaures, hein. Ils ont pas besoin d'aller jusqu'en Islande. Enfin, je suppose que c'est en Islande pour filmer un beau volcan comme ça. Ils ont pas forcément besoin de se faire chier à faire des images extraordinaires. L'important, c'est les dinosaures. Ben si, ils se font chier quand même. Ça, c'est bien. C'est vachement bien. Donc, ces volcans qui vont certainement faire office d'Amérique du Sud, parce que ça, là, ces bébés titanosaures, là, ils font référence évidemment aux bébés titanosaures qu'on a découverts en Amérique du Sud. Donc je suppose que c'est là-dedans que ça va se passer. Les bébés titanosaures qu'on nous montre en groupe, ça se base sur des études qui ont été faites récemment qui tentent à suggérer qu'en fait, les adultes devaient possiblement être en groupe ou pas, ça dépend les empreintes de pas que vous regardez, hein. On a des empreintes de pas de grands sauropodes qui sont parallèles les unes aux autres, donc ils suggèrent qu'ils se déplaçaient en troupeau. Mais en tout cas, chez les bébés, on a une fréquence, tendance, pas une fréquence, une tendance à les trouver en paquet près des sites de nidification qui suggèrent en fait que les juvéniles restaient ensemble. Et du coup, ça a augmenté la protection, parce que vous imaginez, ces animaux-là, ils naissaient grands comme ça. C'était des tout petits, petits, petits. Par rapport aux géants qu'ils allaient devenir, ils peuvent rien faire d'autre que bouffer à cet âge-là, parce que parce qu'ils grandissaient à une vitesse phénoménale, grâce aux sections des os qui montrent justement des lignes d'arrêt de croissance séparées par de très très grandes phases de croissance. Donc, à part bouffer, ils faisaient rien. Ces animaux-là, hein, clairement. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de temps consacré à faire gaffe à pas se faire bouffer. Ils n'ont pas beaucoup d'énergie non plus à y consacrer. Et c'était le groupe, certainement, hein, le fait d'être en paquet qui protégeait, en fait, hein, c'est la statistique, hein, finalement, qui les protégeait. On a du coup les proportions de ces juvéniles qui sont pas trop mal, puisque au final, bah, on a des juvéniles avec un cou relativement court, une queue relativement courte, des pattes relativement courtes. Donc des juvéniles qui ne sont pas des modèles réduits des adultes. Donc ça, c'est plutôt juste, avec des grands yeux. Pareil, directement inspiré des embryons qu'on a pu découvrir de ces titanosaures en Amérique du Sud. Donc jusque-là, rien de ce que je vois ne me choque. À part le fait qu'il n'y ait pas un gramme de bouffe à côté de ça, par contre. Ça, par contre, on imagine difficilement des juvéniles en fait de ces bêtes-là, vu leur taille, naître ailleurs que dans une forêt et ne pas courir immédiatement sous un couvert végétal pour se planquer en fait, pour se planquer et encore une fois pour accéder à la nourriture dont ils ont grandement besoin, dont on sait qu'ils avaient grandement besoin. Donc marcher comme ça au milieu de la pampa, au milieu du rien du tout, à découvert, ça semble une très très mauvaise idée et je pense que cette scène va être dramatique. À mon avis. Cette scène va finir en boucherie. Mais on verra bien. Oh, regardez ça, c'est beau là. Regardez. Regardez la beauté. Quelle beauté. Donc là, c'est. Oui, bah oui, c'est quand ils sortent évidemment de terre. Donc encore une fois, on sait que ces petits dinosaures naissaient sous terre, puisqu'on a trouvé les nids, hein, y compris en France d'ailleurs, on a trouvé les nids qui étaient enterrés en fait sous des monticules de terre. Et c'était des animaux qui pondaient beaucoup d'œufs en espérant qu'un jour, un des juvéniles, en fait, un des bébés, finisse par atteindre l'âge adulte. Donc c'est un peu comme les tortues modernes en réalité. C'est exactement d'ailleurs la même stratégie que les tortues modernes. On sait aussi, parce qu'il y a des analyses qui ont été faites de la coquille, qui montrent que la coquille était extrêmement poreuse. Et ça, c'est aussi typique des animaux qui pondent sous un monticule. La coquille est très poreuse pour permettre échanges d'oxygène qui sont beaucoup plus simples et qui nécessitent beaucoup moins de porosité si vous pondez à la surface et que vous couvez, par exemple. Bref, donc on sait qu'ils pondaient sous des monticules de terre. Donc là, l'émergence en fait d'un bébé titanosaure comme ça, c'est tout à fait réaliste comme situation. Et on constate la présence ici de la petite dent, ici du diamant. On appelle ça le diamant, donc c'est la petite dent qui sert à piquer la coquille. Et ça, c'est directement inspiré de ce petit crâne qui avait été décrit il y a quelques années de cela, en 2020, par Kundrat et al., et qui est un crâne, encore une fois, de titanosaure d'Argentine,
où on voit très bien en fait cette petite pointe, hein, vous voyez, qui s'appelle le diamant et qui chez les oiseaux modernes, et qui chez beaucoup de reptiles modernes et même on a découvert récemment chez les monotrèmes, sert en fait à percer la coquille au moment de l'émergence du petit, au moment de la naissance du petit. Donc là, vous pouvez voir que c'est très 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 lourdement inspiré hein, de cette découverte. Là, il n'y a pas trop de doute sur le fait que c'est sur ça qu'ils se sont basés pour faire ça, quoi. Là, c'est magnifique. Et encore une fois, regardez la texture de la peau, ça fait penser presque à un serpent, là, vous voyez, c'est très 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 joli. Très 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 joli. Peut-être le seul bémol, ce trou, là, la narine, qui est censée se trouver tout là-haut. Vous voyez que la narine, elle est ici, sur cette reconstruction, hein, au niveau de ce trou, là, ça, c'est la narine, là, ici, ici. Là, il y a l'œil, là, il y a la narine, ça, c'est pas la narine, c'est la fausse anté-orbitaire. Et là, en fait, ils ont mis la narine tout au bout du pif, et je sais pas vraiment pourquoi. C'est une drôle d'idée, tiens. Très très drôle d'idée. Donc, mais sinon, le reste est correct. Donc il y a que... C'est bizarre ça. C'est bizarre cette narine. Pourquoi ils ont allé mettre la narine ici? Même sur les adultes, en plus, ils ont pas mis la narine là. Donc je trouve ça bizarre. On va remettre les adultes. Vous voyez, chez l'adulte, vous voyez, la narine, elle est pas au bout du museau, elle est rétractée. Et là, vous avez cette espèce de lobe de chair, en fait, qui est censé se positionner ici, sur le crâne. Donc eux, ils positionnent la narine dans la chair, sur le lobe de chair, ici. Eux, ils ont choisi de pas mettre de lobe de chair et directement mettre la narine à même le crâne. C'est un choix artistique. On a très peu d'attaches musculaires qui montrent que si oui ou non, il y avait quelque chose réellement à cet endroit-là, ce lobe de chair. On a très très peu d'attaches musculaires pour un tel lobe de chair. Et on a même, vous voyez, cette surface qui est légèrement poreuse pour des canaux. Donc, qui semble indiquer que la peau était à même l'os jusque-là. Donc, cette représentation-là me semble pas mal du tout. Cette représentation-là est discutable, mais cette représentation-là, avec la narine tout au bout, là, par contre, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Ah, bah voilà. Là, on a des nouvelles espèces, effectivement. Là, on a est-ce que c'est... Non, j'allais dire c'est un ichthyosaure, mais non, on est au Crétacé supérieur, donc c'est encore un mosasaure, c'est juste un petit mosasaure, c'est tout. Ah, bah oui, non, ça peut pas être un ichthyosaure, on est au Crétacé, donc c'est encore un mosasaure. Alors on a encore des plésiosaures, qu'on a déjà vu dans la précédente saison, on a encore les vélociraptors, vous voyez, avec leurs griffes, là, donc on est revenu, des nouveaux... Et en plus, c'est gonflé. C'est gonflé parce qu'il nous remontre les mêmes vélociraptors dans le même environnement que dans la saison précédente, tout en nous écrivant en même temps des nouveaux habitats. Ah ben non, ah ben non, ah non là, là il y a mensonge là, il y a mensonge, il y a maladresse surtout, il y a maladresse. Donc non, ça, là on est dans le même désert que dans la saison précédente, avec les mêmes espèces. Bon, par contre, c'est toujours aussi joli, mais bon. Ah, eh ben voilà, encore un animal en train de grogner. Vous voyez, le fameux rugissement qu'ils avaient dit qu'ils ne mettraient pas dans la première saison, mais qu'ils ont mis quand même au moins dans le trailer, bah, vous voyez que dans le trailer, il est de retour, le fameux rugissement. On note la forme de l'œil. Vous voyez, là, on leur a mis une pupille. Je me rappelle que dans la saison précédente, ils leur avaient fait des pupilles orange pour que ça ressemble plus à des oiseaux de proie. Là, on note que l'œil est blanc sur cet animal-là, qui m'a l'air d'être quoi? Bonne question. Peut-être un trop odontidé, mais je ne suis pas sûr. Et encore une fois, hein, présence de plumes, évidemment. Donc on est sur un dinosaure assez dérivé. les bébés pachycéphalosaures, ils sont trop mimi, ils sont trop mimi. Regardez comment ils sortent là, on dirait un cartoon, on dirait un dessin animé. regardez. Oui. Avec les bruitages, c'est encore mieux. Alors les bébés pachycéphalosaures qui se battent avec un bébé en... Non, mais c'est pas des bébés en fait. C'est juste qu'on manque d'une échelle là. Ouais, non, on manque d'une échelle en fait. Parce que pachycéphalosaure, c'est quand même un gros dinosaure. Donc là, l'ankylosaure, est-ce qu'on l'avait eu? On l'avait eu, hein, dans le préhistorique planète précédent. Vous voyez, là, c'est une leçon en écologie fonctionnelle.
Les pachycéphalosaures, vous voyez qu'ils ont un museau très pointu, avec un tout petit bec, enfin un bec très étroit et relativement arrondi. Alors que si vous regardez cet ankylosaure là, il a un énorme mufle carré. Et donc cet énorme mufle carré, en fait, c'est une tondeuse à gazon. Bon, même s'il n'y avait pas de gazon à l'époque, mais en gros, c'est fait pour brouter, c'est fait pour manger au ras du sol. Donc le. Et puis ça, c'est éminemment adapté finalement à sa morphologie, hein, très proche du sol. Donc tout est cohérent en fait. Il est très, c'est un animal très très lourd, très proche du sol, avec un gros mufle carré pour manger au ras du sol. Donc ce mufle carré, c'est nous indique une adaptation à manger de la nourriture directement au sol, comme par exemple des fougères. Alors que si vous regardez les pachycéphalosaures, eux, ils ont un museau plutôt pointu, arrondi pointu, on va dire, très étroit, et ça, c'est comme les, bah, c'est un peu comme le museau pointu des rhinocéros noirs. C'est une adaptation à manger plutôt des feuilles, en fait. Donc c'est pas du tout adapté à avaler une grande quantité de nourriture, enfin attraper une grande quantité de nourriture au sol comme une tondeuse. Ça, c'est plutôt pour aller piquer les feuilles des arbres, et c'est cohérent avec le fait qu'ils soient bipèdes. Et donc là, on est plutôt peut-être sur Pachycéphalosaurus, du moins si on est face à des adultes. On serait plutôt face à Pachycéphalosaurus, vu que là, il n'y a pas les cornes à l'arrière. Là, on a un beau dôme. Alors, la queue qui swing. Bah, du coup, on va quand même voir des comportements un peu différents de ce qu'on avait vu la dernière fois, puisque là, ça fait deux fois qu'on nous montre. Alors, on nous a montré une action de chasse sur un plésiosaure tout à l'heure. Donc là, on nous montre une action de combat entre herbivores. Alors ça, c'est du nouveau. Ça, c'est beau. Ça, c'est tout neuf. Combat entre herbivores qui n'a rien à voir avec une parade sexuelle. Donc là, on a du neuf. Donc cet ankylosaure, il est effectivement dans une posture agressive, il est sur le point de leur envoyer un gros coup de queue dans la face. Bah, ah non, c'est une posture de défense finalement. C'est un comportement de défense où il frappe au sol avec sa massue pour dissuader d'éventuels assaillants. Probablement cet ankylosaure ne sait pas faire la différence entre un théropode et un pachycéphalosaure. Les deux sont bipèdes, hein, donc et puis, bon, on peut supposer que c'était des animaux qui n'étaient pas très très malins non plus, hein, ils avaient vraiment un tout petit cerveau par rapport à la taille de leur corps. Donc peut-être aussi qu'on va nous montrer un comportement un peu teubé pour changer les comportements hyper complexes et hyper sophistiqués. Peut-être qu'on va nous montrer pour une fois un ankylosaure un peu teubé, ce qui changerait un petit peu de ce qu'on nous avait montré dans la saison 1. Voilà, est-ce qu'il tapait au sol comme ça? Je sais pas. Ah, évidemment, on ne sait pas. Il faudrait qu'il y ait des traces préservées, mais je crois pas qu'on ait des traces préservées de ça. On nous remontre l'action de chasse sur le plésiosaure. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'était ça? C'était une grosse grenouille. On nous remontre Belzébufo. Belzébufo qui était déjà, hein, dans le premier. Donc on nous remontre Belzébufo et on a donc un autre titanosaure. Alors là, c'est définitivement un titanosaure puisqu'on voit les gros ostéodermes sur le dos, ce qui est typique. Pas dans la famille des dinosaures au long cou, des sauropodes, avoir des ostéodermes sur le dos comme ça, c'est typique des titanosaures. Et si ça, là, c'est effectivement Belzébufo, alors on est à Madagascar. Voilà. On est à Madagascar et c'est logique puisque les titanosaures sont des sauropodes essentiellement de l'hémisphère sud. Des raptors dans la neige. Ah non, 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 c'est pas un raptor lui. Enfin, ça, c'est des raptors là derrière, enfin, je crois. J'arrive pas à voir si leur griffe est relevée. Est-ce qu'ils ont la griffe relevée? On aurait dit des raptors. Alors, c'est peut-être des petits, non? Ça a l'air d'être des tyrannosauridés, non? Je sais pas. En tout cas, ils ont pas l'air d'avoir la griffe relevée. Ils ressemblent au design des vélociraptors de tout à l'heure. Ils sont un peu sautillants, un peu bondissants, mais ça n'a pas l'air d'être des vélociraptors, pour une fois. Enfin, ça n'a pas l'air d'être des droméosaures, parce qu'ils n'ont pas la griffe relevée quand ils courent. Par contre, ça m'a l'air d'être un. C'est possiblement un Lelinasaura, mais Lelinasaura, je crois pas qu'il vivait au Crétacé terminal. En tout cas, c'est un petit ornithopode qui vivait au Crétacé supérieur. Un petit ornithopode qui vivait dans le cercle arctique. Et ça, on l'avait effectivement pas vu dans la saison précédente. Et il est recouvert d'un plumage. Alors, plumage qui n'est du coup pas inspiré de Coulinda Dromeus. Coulinda Dromeus, il vient de Russie. Et donc, il avait effectivement le poil bouffant, la plume bouffante sur le corps. Mais par contre, la queue, elle, c'était un peu une queue de rat. On voyait les écailles. Donc là, ils se sont pas inspirés de ce design-là pour
pour leur propre ornithopode ici. Donc on verra. L'œil est quand même très grand, ça pourrait être le Nynasaura quand même. Hein. Voilà, on a de nouveau un tyrannosauridé dans le grand froid. En train de chasser... En train de chasser quoi? En train de chasser des ornithomimosaures. Donc on nous remontre une action de chasse. C'est pas mal. Les titanosaures. Et encore les... Voilà. Ça par contre, c'est sûr, c'est les hadrosaures. Ça par contre, c'est des hadrosaures. Ça doit être une montosaurus, parce que là, on a le... Le bec est bien en canard. Contrairement à celui qu'on avait vu au début, où je m'étais trompé, c'était un peut-être un iguanodontidé. Ça va être des hadrosaures. Oh, il est trop mignon. Regardez-le, comment il est trop mignon. Il est trop mignon avec ses petits bras. Il se sert de ses petits bras pour faire envoler les mouches. Eh ben voilà. Ben voilà, ça, c'est un... Regardez. Ça, c'est trop mignon. Et c'est trop... Et ça, c'est nouveau. Regardez, il se sert de ses petits bras pour faire envoler les insectes. Il se sert de ses petits bras avec ses ailes, là, pour faire s'envoler les insectes, et pouf, pour les attraper. Bah voilà, ça, c'est un comportement nouveau, ça. Alors, ça doit être un troodontidé, vu la taille des yeux et les toutes petites dents. C'est certainement un troodontidé, mais waouh, regarde, voilà, ça, c'est un comportement nouveau, ça. La chasse insectivorie, voilà, au lieu de nous montrer une action de chasse sur des animaux gigantesques, ah, des raptors qui chassent en meute et tout ça, là, on nous montre une petite action de chasse insectivore où l'animal utilise des choses dont qu'on sait qu'ils avaient, à savoir des plumes. Ils utilisent leurs plumes pour faire sortir les insectes. Et ben voilà, ça c'est beau, voilà, c'est nouveau. Ça me redonne espoir et ça c'est beau, c'est bien. Allez, hop, là, la petite insectivorie trop mignonne. Ah ben voilà, le revoilà notre possible iguanodon, enfin iguanodontidé slash rhabdodon. Ah bah voilà, ça c'est un plésiosaure en train de respirer. Yep. Ah, des œufs, on voit des œufs. Ah, regardez ces bébés, ils sont trop mignons, les petits bébés. Oh, comment ils sont trop mignons, ils sont tout fluffy. Ils auraient pu les faire même encore plus fluffy, je pense. Ils auraient pu mettre encore plus de poils de plumes de duvet. Ah bah voilà, on va enfin nous montrer des sauropodes maladroits, ouais, parce que je rappelle, dans la saison 1, on nous montrait des sauropodes qui se dressaient sur leurs pattes arrière et qui se collaient des droites. 80 tonnes de viande dressées sur les pattes arrière qui se collaient des droites. Donc là, on va enfin nous montrer des sauropodes pour lesquels être lourd est un problème, voilà, notamment parce qu'on se pète la gueule très facilement. Ah bah non, c'est peut-être lui, Rhabdodon. Là, ça ressemble vachement à Rhabdodon, là. Ah là, ça ressemble à mort à un Rhabdodon. Je sais pas si c'est un rhabdodon. Je crois qu'on l'avait déjà vu dans la saison 1. Oh, faudrait que je la revoie la saison 1, je me rappelle plus. J'ai pas fait mes devoirs. Mais là, ça ressemble à mort, un rhabdodon. Ah, bah voilà, des nouvelles espèces. Bon, on avait déjà vu des ammonites dans le précédent, mais... Ça, c'est cool, attendez, là, je crois qu'il y a un squelette. Eh oui, regardez ça. Non, c'est un squelette ou c'est des... Ah non, c'est des ammonites déroulées. Regardez. Donc là, on a une ammonite enroulée au milieu. Regardez, là, une belle ammonite enroulée au milieu. Ou peut-être un nautile, j'avoue que dans ce flou-là, c'est pas facile à dire. Mais là, autour, vous avez des... Alors, ça doit être des baculites, je sais pas. En tout cas, c'est des ammonites déroulées. Donc là, oui, les ammonites qui sont très typiques du Crétacé. Ouais, là, il y a une autre... Il y en a un autre qui est enroulé, là. Et ça pourrait être un nautile. Combien on a de tentacules? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ah non, ça doit être une ammonite. Ça doit être une ammonite parce que les nautiles, ils ont beaucoup plus que 10 tentacules, alors que les ammonites sont très très proches des poulpes, des calmars et des... Donc elles devaient, phylogénétiquement du moins, elles sont proches des poulpes et des calmars, et des sèches, etc. Donc bref, elles avaient entre 8 et 10 bras, selon où vous les placez, normalement plus proche de 10 que de 8, puisque les pieuvres, c'est vraiment quelque chose de très dérivé, donc c'était probablement plus proche des calmars et des sèches. Et donc là, vous avez les ammonites déroulées, très beau. Regardez ce récif magnifique. J'ai cru que c'était des côtes, donc qu'elles se baladaient dans un squelette d'un machin géant, et que du coup, on verrait enfin cet écosystème qui dépend de la mort de ces animaux-là. Ça aurait été intéressant de voir justement toutes ces ammonites vivre sur la carcasse d'un mosasaure, par exemple. Mais bon, non, c'est pas encore là qu'on les verra.
Pareil, la coquille de ces ammonites est absolument nickel, il n'y a rien qui grandit dessus, c'est un peu triste. C'est trop lisse, c'est trop lisse, c'est comme le museau du tyrannosaure dans la saison précédente. C'est beaucoup trop lisse, bah tenez, c'est comme... Voilà, regardez, tiens, juste quand j'en parlais, le museau du tyrannosaure, c'est trop lisse, ça manque de ch'tar, là, ça manque de traces de morsures, les tyrannosaures, ils se mangeaient le nez entre eux. On a les traces fossiles de ça, ils se mangeaient le nez entre eux. Donc on devrait avoir toutes ces cicatrices là, mais on les a pas, c'est trop lisse, c'est trop parfait. En fait, c'est parfait, la texture de la peau est parfaite, mais en fait, elle est trop parfaite. Voilà, c'est pareil, là, il aurait fallu prendre le risque de le faire, et on retrouve l'œil jaune. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, l'œil jaune des rapaces. Enfin, des rapaces nocturnes. Donc le Quetzalcoatlus. Ah, et donc deux Quetzalcoatlus qui vont se prendre un T-Rex ou un tyrannosauridé quelconque pour attaquer la carcasse d'un machin qui est déjà mort et qui est déjà 8 fois trop grand pour cet unique T-Rex, enfin pour cet unique tyrannosauridé. Ça, c'est pas hyper réaliste comme comportement. Regardez les documentaires animaliers et vous verrez les vautours, les hyènes, les lions, ils sont tous là, en même temps. Et ils prennent chacun leur coin. Et ça vaut pas le coup de... En fait, faut bien voir que dans la nature, les animaux vont essayer d'éviter à tout prix de se battre, parce que de toute façon, ça va pas leur... Eux, ça leur rapporte rien. Tyrannosaure qui se nourrit de la chair du cou ici, va être rapidement nourri, et les Quetzalcoatl, là, qui attaquent la cuisse, vont être aussi rapidement nourris. Faut bien imaginer que la quantité de nourriture qu'il y a sur un animal de cette taille couvre largement les besoins de ces trois animaux. C'est juste là où je veux en venir, et qu'il n'y a pas de raison que ces machins-là attaquent un T-Rex. Il n'y a pas plus de raison en fait que ces machins-là attaquent le tyrannosaure que de raison que les vautours en fait attaquent les lions pour la carcasse. Et ils vont s'approcher. En plus, ils ont un super long cou, donc ils peuvent s'approcher, aller piquer un bout de chair. Le tyrannosaure, il va mufler un petit peu en mode non mais oh, ça va, oui. Puis voilà, ils vont aller chercher des petits bouts de chair comme ça, mais. Non, là, c'est pour le spectacle. Clairement, c'est pour le spectacle. On va nous mettre un combat Tyrannosaure Quetzalcoatlus. Et qui se grogne dessus, oui, les rugissements! Et qui évidemment se rugissent dessus. Je rappelle qu'ils n'avaient pas les organes pour se rugir dessus. Rugir, c'est les mammifères du genre Panthera qui rugissent un point et c'est tout. Les autres animaux ne font pas ça. Bah après, maintenant on a découvert que les dinosaures pouvaient avoir des cordes vocales, hein, pas un syrinx comme les oiseaux, mais ils pouvaient avoir des cordes vocales, ce qu'on a découvert sur un ankylosaure tout à fait récemment. Ils pouvaient pousser des sons, mais rugir, là, c'est pareil, là, on se sert, on tape dans les clichés, on va dire. On tape dans les clichés pour aller chercher un peu de spectacle. Bon, c'est pas vilain, vilain, mais... C'est pas vilain, vilain, mais bon, voilà. Voilà. Et puis du coup, on termine bah, sur l'image de départ, quoi. Donc la boucle est bouclée. Donc voilà, c'était le trailer de Prehistoric Planet, une analyse un peu détaillée, un petit peu bon, à chaud, hein, encore une fois, j'ai essayé de tout ce que je pouvais pour ne pas me spoiler. Mais c'est... Oui, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air de valoir la première saison. En fait, ça, c'est ça. Ce sera aussi bien que la première saison. Mais la surprise en moins, et ça restera dans la zone de confort établie dans la saison 1, à mon avis. Donc, si vous avez aimé la saison 1, je pense que vous aimerez la saison 2. En tout cas, vous pouvez aller voir la saison 2, à mon avis, ce sera au moins aussi bien que la saison 1. Mais par contre, il y aura pas, j'ai pas l'impression qu'il y aura de grosses surprises. Il y aura pas de grosses prises de risque. Voilà, c'était la réaction à Prehistoric Planet 2. On attend la série avec impatience pour voir ce que ça donne. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!